Mesdames et messieurs, bonjour, bonne heureuse année à vous tous. Bienvenue à cette toute première émission, l'émission numéro 1 de l'entretien du dimanche sur ETL. Merci de nous renouveler tout le temps, à chaque instant, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, votre fidélité. Le 14 décembre dernier, 14 décembre 2019, a eu lieu la consultation annuelle sur le Bénin, c'est-à-dire le TOFA 2020. Il a été question d'analyser, de ressortir l'alcalde destiné de notre pays, le Bénin, comme on en a l'habitude à la veille de chaque année. Pour cette année, nous avons eu les signes qui gouvernent ou qui vont gouverner notre pays, le Bénin, en 2020, le TOFA 2020. Pour en parler, nous avons invité le professeur David Kofi Aza, grand prêtre du FA, qu'on ne présente plus, bien connu dans le milieu culturel béninois. C'est lui d'ailleurs le coordonnateur du TOFA. Professeur David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est un devoir. Et quand on parle du professeur David Kofi Aza, on pense directement au TOFA. Évidemment. Très bien. Professeur David Kofi Aza, vous êtes grand prêtre du FA, vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, Konaseb, et vous êtes le coordonnateur national du TOFA. Alors, professeur David Kofi Aza, le TOFA, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le TOFA? Pourquoi le TOFA? D'abord parce que nous avons jugé utile en son temps que le TOFA peut être encore utile pour la nation. Parce que le TOFA avait servi la dynastie royale pendant plus de 275 ans. Oui. Il faut le rappeler, le TOFA c'est une œuvre de Dossou Agadia. Dossou Agadia qui est un roi qui a régné de 1711 jusqu'à 1738 je crois, et qui a remplacé Tassi Rangbe, parce qu'il y avait une femme qui a dirigé la dynastie royale d'Abomey. Souvent on n'en parle pas, elle a dirigé la dynastie de 1708 à 1711. Et Tassi Rangbe avait abdiqué. C'est d'ailleurs la seule reine qui a gouverné, mais qui a également abdiqué. Elle a abdiqué et puis, dans son abdication, sous l'effet de la colère, avait fait des malédictions qui ont plongé la dynastie dans le chaos en son temps. Et il y avait même eu une insurrection jusqu'à ce que le roi de Dossou Agadia a dû quitter le palais en 1713 pour venir se réfugier à Kanantota. D'où il a fait envoyer son fils à Vissou, au Nigeria, au royaume d'Oyo à l'époque, pour lui chercher des forces capables de pacifier le pays. Et c'est là un Nigérien était venu. Le Nigérien était venu le 15 novembre 1715 à Kanantota, où la première consultation du FA a eu lieu à Dan Romain à l'époque, et c'était le signe Toula Gogli qui était sorti, et les sacrifices ont été exécutés. Celui qui allait déposer les sacrifices du Rebioso avait été rappelé à la maison par la pluie. Et alors que la pluie manquait déjà depuis plus de 3 ans dans la dynastie, et le roi l'a surnommé le vendeur de pluie, c'est-à-dire celui qui est venu me vendre la pluie, et on l'a surnommé Jissa. C'est là le tout premier bougonon du Fa au Daromé. Et cela a fait que le roi a institué cette pratique-là pour que chaque année, à la veille de chaque année, ça a eu lieu en novembre. Donc généralement, le tofa se fait entre novembre et décembre. Il y avait même le... Et pourquoi avoir choisi pourquoi novembre et décembre pour... Parce que le premier tofa a été fait en mi-décembre, le 15 novembre. Le 15 novembre. Donc, ils ont décidé de répéter ça chaque année, un an après. Donc, c'est pour ça que cette période-là avait été choisie. Le dernier TOFA a eu lieu le 2 décembre 1889, sous Agoli Agbo. Et après, la dynastie a basculé parce que l'arrêté 102 du roi français avait mis fin à la dynastie. Donc, le TOFA n'a plus existé depuis 1889 jusqu'en 2006. Quand nous, on l'a ressuscité. Donc, tout ce que le TOFA avait fait en son temps, nous sommes dit, avec l'espoir qui renaissait en 2005, nous sommes dit, il faut ramener encore les outils qui avaient servi la dynastie royale à l'époque, il faut ramener encore ces outils-là pour accompagner les pouvoirs publics, pour mieux les éclairer, pour qu'ils puissent bien diriger la dynastie. C'est pour ça qu'on avait procédé en son temps à la résurgence du TOFA pour mieux servir la nation. Donc voilà comment... Et cette résurgence a perpétué jusqu'au jour. Nous sommes à la 13e édition.
édition. À la 13e édition. Mais ça fait 13 ans maintenant qu'on fait 13e, ça. Pensez-vous que c'est véritablement utile pour la nation? Nous aurons le temps de rentrer dans les détails. Quelle est son utilité pour le développement du pays? Vous savez, le TOFA, d'abord je vais remonter au passé. Très bien. Quand le roi Guézo, puisque le roi de ça a déjà imposé que tout souverain qui aspire au trône royal doit être initié au Fa. Et il a commencé par lui-même d'abord, alors qu'il était déjà intronisé. Il a le signe Olidola. Après son fils Tegbessou, Aïtrou Penka, il y a Kwengla qui est venu, qui a eu Betumila, il y a Agonglo Djiso qui est venu, qui a eu Tchegouda, il y a Manogougou. Manogougou, c'est à Danosan qu'on ne cite pas, qui a eu Woliyeku. Puis il y a Gerezoumansi Begezo qui est venu, qui a eu le saut Dene. Et le saut Dene disait, son signe disait, Dene Mangbe à quoi? Tekin à quoi? Dene à quoi? Amité à quoi? C'est-à-dire que tout ce qui vient de palmier à huile est source de richesse. C'est ça qui a fait que le roi Guézo s'est accroché au palmier à huile. Très bien. Pendant 40 ans. Et en son temps, Dahomey était le premier exportateur mondial du palmier à huile. Premier sur le plan mondial. Sur le plan mondial, premier exportateur mondial de l'huile de palme, c'était le Dahomey. Très bien. Et ça a duré tout le temps du règne de Guézo. Formidable. Quand on prend par exemple Dessou Agadia lui-même, son signe Olidola dit Greta Gohomanda Zanchonomu. C'est-à-dire que la nature veut permettre au roi de faire fortune à partir de l'océan. Mais il faut éviter que la mort vienne s'interposer. C'est pour ça que Dessou Agadia a choisi le bateau comme emblème. Et lui, il a développé le commerce international en son temps. Donc, chacun s'inspirait des allégories du Fa, des aphorismes, des apologues du Fa, pour faire asseoir un pan du développement de notre dynastie. Donc, chacun en avait fait. Mais également, c'est ça également qui a provoqué la perte aussi de la dynastie. Parce que, vous savez, le Tofa de 1892, qu'on avait fait pour le roi Béanzin, et puis le Fa avait dit, puisque c'était Oliwofu en son temps, le signe qu'on a eu l'année dernière, qui dit « Masi Homé, bonsoir, Roya Djao ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la colère t'amène à importer la guerre dans le pays d'Adja. Parce que tu as aussi tes parents, tes frères, tes soeurs dans ce pays. Où le Fa avait déconseillé au roi de faire la guerre. Mais le roi dit, mais non. Son Grégonoué Achimono Hoche Asimono Houdotoa. Resouenoho. Qui lira la guerre. C'est-à-dire qu'un homme valeureux ne va pas au marché acheter la peur pour son père. Qu'il faut acheter le courage. Le courage, absolument. Mais nous savons que ce courage n'a pas marché. Et il a même ordonné qu'on décapite le prêtre Gedegwe, c'est lui qui faisait le tofa en son temps. Parce que chaque roi avait eu son boucan du tofa. Donc le dernier, c'était Gedegwe qui faisait le tofa pour Béanzin à l'époque. Il a demandé qu'on le décapite. Il a dû fuir pour aller à Savé chez sa mère. C'est pour dire que. Le Tofa est un conseiller par excellence et un conseiller impartial. Vraiment impartial. Quel que soit ce que tu as, lui te dit ce qu'il faut. Maintenant, sa volonté ne s'impose pas au roi. Donc, en notre temps, au président de la République, la volonté du Fa ne s'impose pas. Le président peut suivre comme il peut ne pas suivre. D'accord. Donc, il faut faire la nuance. La volonté du Fa ne s'impose pas au souverain. Et ça ne s'impose à personne d'ailleurs. À personne d'ailleurs. Oui. Le Fa vous dit, si vous voulez aller là, voilà par où vous allez passer. Maintenant, vous êtes libre de prendre un autre chemin. Seulement, si vous prenez un chemin détourné, on rencontre souvent des obstacles. On peut les franchir comme on peut ne pas les franchir. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Alors, le Tofa, c'est-à-dire le collège des prêtres du Bokono, du Fa, qui font la consultation, parce que le 14 décembre dernier a eu lieu le Tofa de cette année 2020. Alors, par quels critères, ou bien sous quels critères choisissez-vous ces Bokono-là? Est-ce que c'est le meilleur des meilleurs? C'est eux qui détiennent la meilleure des sciences, surtout quand on sait que la géomancie, c'est une très vaste. Elle est très vaste. Pour expliquer ça, le Tofa, quand je l'avais initié, c'était sous l'impulsion de la population. D'accord. J'ai donné à la population de se constituer en association. Ils se sont constitués en association qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui Association Bene Tofa, ABT. Et nous avons invité des Bokoro. On a choisi des Bokoro. On les avait invités. Et ils étaient venus, ils ont fait le Tofa. Ils sont repartis. La deuxième année, on avait fait également la même chose. J'ai dit, mais non, puisque les Bokoro n'ont pas un creuset formel, ceux qui viennent, ceux qu'on invite
ils viennent d'un peu partout. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux les regrouper dans un creuset? Et c'est là que j'ai créé le creuset, qu'on appelait Association des Fabassa et Bokono du Bénin, AFAB. Donc, tous ceux qui venaient faire le TOFA, je les obligeais à se revoir plusieurs fois au cours de l'année pour perfectionner leurs sciences, pour échanger et tout. C'est là le deuxième creuset est né. Donc, ce sont ces deux associations-là qui organisent le TOFA, chacun selon ses prérogatives. L'initiateur même du TOFA, je l'avais fait sous l'impulsion de mon association à l'époque, Agence Bénin Culture. Et Agence Bénin Culture coordonne. Donc, Agence Bénin Culture apporte son expertise intellectuelle. C'est ça qui fait que c'est toujours cette structure-là qui élabore le rapport final. Et l'association de Bokono, leur rôle, c'est de venir consulter le TOFA, puis après, de revenir pour exécuter les sacrifices. Très bien. L'association ABT, l'association Bénin TOFA, c'est l'association qui organise. Donc, les Bokono AFAB font le TOFA, et ABT, l'association Bénin TOFA, organise les logistiques, tout ce qu'il faut, parce que c'est des jeunes, ils sont issus de la population, ils ne sont pas forcément initiés au FA, donc ce sont eux qui organisent. Maintenant, au niveau de AFAB, les Bokono qui sont là, ce sont ces Bokono-là qui se désignent. On choisit les plus expérimentés, ceux qui maîtrisent le plus, les experts. C'est une question de niveau. C'est une question de niveau. Voilà. Et ce sont ceux-là qu'on met devant qui procèdent à la consultation. Cette année, la particularité, c'est que c'était un très jeune que j'avais désigné, qui est même du Togo, qui n'est même pas béninois. Ah oui? Non, c'est un Togolais. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est un Togolais. Et vous l'avez fait exprès? Je l'ai fait exprès. Et c'est lui qui a lancé les chapelets. D'accord. C'est un jeune Togolais qui maîtrise très bien le Fa, parce que c'est son père que je connaissais. Et son père, c'est un érudit du Fa au Togo. Waouh. Son père. Donc, il est resté longtemps avec son père et il est venu ici pour travailler à une dame à Dansa. Et là, c'est là que je l'ai pêché. Je dis, bon, tiens, ton père, je l'invite souvent, mais il refuse de venir parce qu'il est déjà vieux. Maintenant, toi, tu viens pour nous lancer le chapelet. Et c'est là, je l'ai désigné la veille même du TOFA. Lui, il ne savait pas. Je lui ai dit, bon, viens avec ton chapelet, je vais t'amener quelque part. Et il est venu, il dit, bon, ok, c'est pour procéder au TOFA. Et c'est le jeune là qui a fait le TOFA, entouré des experts qui étaient déjà là. Et ce sont eux qui ont fait l'interprétation. Très bien. Mais est-ce que le jeune homme dont vous venez de parler était préparé, ou bien avant de faire ce il a été suffisamment préparé, les conditions il a été suffisamment outillé de conservation, en tout cas de préparation. Exactement. Ah d'accord. Alors pour cette année, il y a eu des signes qui sont sortis et qui suscitent moult, je dirais, interrogation. D'abord, sous votre contrôle, nous allons faire goûter quelques gouttes d'eau. Exactement. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, parce que nous voulons parler du Fa. Du Fa, et a eu le signe principal était donc l'été Aïgbé. Alors, pourquoi l'été Aïgbé et que veut dire l'été Aïgbé de façon linéaire? L'été Aïgbé, c'est le thème principal. D'accord. C'est vrai qu'il est suivi par deux ascendants, mais c'est le thème qui parle du présent. Le thème principal, c'est pas du présent. Le thème de Kori parle du passé, c'est-à-dire que les résidus que nous avons traînés de l'année qui est en train de finir, et maintenant la résultante de ce que tout cela va donner, c'est le thème qui est sur Adjikwin. D'accord. Voilà. Donc le letter B principal, le thème principal même dit déjà. Et donc, Tchabarokwe, il y a des difficultés à la maison et des difficultés au dehors. Et donc, Tchabarokwe, ton enanto de ouais, Tchobonaï de Glebeton. Il faut régler d'abord les difficultés à la maison avant de régler les difficultés au dehors. Le Taïbé, c'est le thème qui parle directement, qui a trait directement avec la diplomatie. D'accord. Voilà. Donc, c'est notre diplomatie que le Fa a directement touché avec le thème principal, que cette diplomatie sera sérieusement ébranlée au cours de l'année 2020. Mais le Fa conseille au gouvernant de ne pas s'en inquiéter, mais de régler d'abord, d'aplanir les difficultés que nous avons à l'intérieur du pays, et après de s'occuper de ça. Mais quand on focalise toute l'attention sur la diplomatie à l'international, c'est qu'on va passer à côté de la réalité, parce que pour le Fa, ce qui se passe à l'international n'est que les effets des causes que nous avons à l'intérieur. Donc c'est de l'intérieur que les gens sont en train d'ébranler la diplomatie à l'extérieur.
Donc, il faudra régler le problème à la racine ici, et de l'être sérieux, ça va se régler de lui-même. Mais il poursuit en disant, vous donnez encore ma maman, à ce temps-là, quand ça m'a ça, c'est-à-dire que le vaudou va pétrir du sable sans pour autant construire. Et sa femme qui s'est opposée à lui va préparer de jolies boules d'akasa et ne va pas les vendre aussi. On le fait dit, et de la droite et de la gauche, ils ont le devoir d'accorder leur violon. Sinon, chacun de son côté perdra forcément quelque chose aux yeux de la population et aux yeux et à l'international également. Mais il dit, c'est-à-dire que quand l'été rencontre B, c'est la femme qui doit être contentée pour que le pays ait la paix. Et c'est pour ça que nous avons conseillé que tout ce que nous avons, qu'on regroupe toutes ces difficultés-là en un seul package et qu'on confie la résolution à une femme. Ah oui? Que la droite pour une médiation. Il faut confier cette médiation à une femme. Et vous allez voir que 2, 3, 4 mois là, tout ça là, c'est terminé. Mais il faut que ça soit une femme qui requiert l'unanimité des deux parties et également de la population. Et vous allez voir que ça va se décanter. C'est une femme qui va décanter la situation. Et le pays va décoller normalement. Le pays n'a aucun problème. Effectivement, le pays n'a aucun problème. En lui, il n'a aucun problème. Et le pays évolue normalement. Les difficultés apparentes que nous avons ne sont que des effets d'animosité, de médisance, mais également de haine, qui sont nourris, et de trahison peut-être. De trahison surtout, qui sont nourris de part et d'autre, c'est tout. Donc, le pays en lui-même là n'a aucun problème. Quand les gens pensent que ça va sombrer, le pays ne va pas sombrer. Ça ne sombrera jamais. Non, le pays ne va pas sombrer, le pays n'a aucun problème. Le problème fondamental, c'est de trouver une bonne femme, qui a de l'expérience, qui a la carrure qu'il faut. La capacité de persuasion qu'il faut et aussi qui peut faire preuve d'une patience illimitée. Capable de supporter les turpitudes des uns et des autres. Et comme ça, tout ça là, tu sais, le problème c'est en fait, en réalité, le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas un problème de développement puisque le pays se modernise. Merci. Ce n'est pas un problème économique puisque l'économie, malgré notre économie, tient toujours. Bien sûr. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est des guerres de personnes. C'est ça. C'est ça le problème. Parce que celui qui est là, je suis contre lui, donc il faut que je détruise tout ce qu'il fait. Il faut que je me dise tout ce qu'il fait. C'est ça le gros lot du problème. Maintenant, de l'autre côté, les autres disent, laissez-nous travailler parce que vous n'avez pas pu faire ce que nous sommes en train de faire. Ah, en 60 ans, mais nous sommes en train de faire quelque chose. Donc, laissez-nous faire le travail. D'un côté, les gens veulent travailler et ils sont en train de travailler, mais sont embêtés. De l'autre côté, pour des querelles de personnes, on veut détruire tout ce qui se fait à côté. Donc, quand on va trouver celle qu'il faut et jouer la médiation, vous allez voir que tout ça, ça va se calmer parce que le pays en lui-même est en paix et évolue normalement. Mais l'État dit, c'est-à-dire que les malédictions de l'homme vont s'abattre sur la femme et les malédictions de la femme vont s'abattre sur l'homme. Donc, il faut éviter que à l'intérieur, pas seulement au niveau des pouvoirs publics, mais même à l'intérieur des foyers. Que la femme évite de maudire son mari et que l'homme aussi évite de maudire sa femme. Sinon, ça va se concrétiser. Ah oui? Oui. Ça va se concrétiser. Ils n'ont pas besoin de faire le P.O. ou le bon, tout ça là. Rien ne va marcher. Mais les énergies qui sont mises en branle par la nature pour le Bénin en 2020 sont telles que chaque malédiction va porter un effet. Ça peut ne pas se réaliser du bout en bout, mais ça aura un effet. Ah oui. Le pouvoir du verbe sera ébranlé. Et ça va, à chaque fois, quand c'est prononcé, ça va se concrétiser. Donc, il faut faire très attention par rapport à tout ça. Mais l'état B, il faut, comme le Fala souligné, revoir les fondamentaux liés à la terre. Quand on parle de la terre chez nous, nous parlons de Sabata. Parce que la terre sera éprouvée, Sabata sera éprouvée à telle enseigne que ça peut avoir d'impact sur notre production agricole. Donc, il y a également quelque chose dans ce sens aussi qu'on devrait faire. Et le Sabata a été identifié, c'est à Petepa, à Aboumé. Et cela
pourra nous permettre de juguler la situation, mais également de permettre à nos producteurs d'accroître la production agricole, quelle qu'elle soit. Mais les ascendants qui l'accompagnent, quand on prend par exemple Toula Tcholodi, si vous voulez, professeur David Kofi Dara, avant d'aborder les ascendants, est-ce que vous avez tout a été dit sur les Théaïgbé? Parce que c'est le signe précis. On ne peut pas tout dire parce que c'est beaucoup de choses. En tout cas, ok. On a beaucoup de choses. On a mis de résumer un peu pour parler de tout ça. Le temps de se référer au rapport au final qui va sortir en son temps. D'accord. Maintenant, quand François Touloudi qui dit. C'est-à-dire, l'eau qui a bouilli aujourd'hui et qu'on a laissé jusqu'au lendemain ne peut pas être chaude pour la femme quand elle veut faire sa toilette intime. Ça aurait déjà eu le temps de refroidir. Le fait est d'ici là, les choses vont se refroidir. Et puis, ça va passer. Et poursuit en disant, « Atakuno dizofe, tchoba patonofa. » C'est-à-dire que le piment brûle sérieusement, mais sa peau ne brûle pas. Donc, la racine du piment n'est pas aussi piquante que le piment lui-même. Et le fait dit que ceux qu'on pense agressifs ou, je dirais, négationnistes ne le sont pas pour autant. Ceux qu'on diabolise également ne le sont pas pour autant. Et que d'ici là, tout sera mis à nu et chacun aura le temps de se calmer. Mais poursuit, et donc, nous sommes comment ça, non? Et on a quoi une toto? Bon, fitter le propos des deux tomes, tout la chouro doubi. Tout la chouro doubi, c'est-à-dire que nous sommes, c'est la cascade que les vaudonnants utilisent, qui est un négligent et qui a fait sa demeure au bord de l'eau. Mais quand il fait ses enfants, chaque enfant voulant tomber par terre tombe dans l'eau. Chaque fois, et l'enfant tombe dans l'eau, il dit, « Ah, je suis venu construire ici maintenant, mais chaque fois, mes enfants tombent tout là, tout dans l'eau. » C'est là, le fait parle de la mortalité infantile, surtout pas noyade. Et en son temps, je vois déjà le 14 décembre, et même le 15 décembre, nous avons interpellé les autorités à divers niveaux, surtout la police maritime. La police maritime, surtout. Oui. Et ceux qui s'occupent de la sécurité fluviale, de veiller à ce que les transports sur l'eau, mais également sur mer, ne soient pas cause de mortalité, surtout infantile. Mais également de sensibiliser la population sur les traversées de l'eau pour éviter ça, de nos cours d'eau. Mais en même temps, nous avons interpellé aussi le ministère de la Santé, le ministère des Affaires Sociales, pour conscientiser davantage nos jeunes mères. Porteuses de grossesse ou qui ont déjà accouché, pour de prendre soin et de faire vacciner, en tout cas de les sensibiliser davantage sur comment entretenir les enfants fragiles pour qu'on n'ait pas assisté à un taux de mortalité élevé au cours de l'année 2020. Mais Toula Tcholodi aussi a fait allusion également à des scènes de colère qui vont surgir encore. Et c'est vrai que des situations... Sur le plan national familial Sur le plan national. Sur le plan national. Des scènes de colère qui vont surgir sur le plan national et des tentatives également de déstabilisation. Le FAM même dit qu'un mot d'ordre lié à la désobéissance civique sera lancé. Et le FAM conseille de ne pas suivre ça parce que c'est la nation qui perdra si ce mot d'ordre est suivi. Et conseille également quiconque en avait déjà l'intention de ne pas le faire parce que ça ne lui apportera également pas grand-chose. Au contraire, ça va lui encore attirer des ennuis qu'on va peut-être traiter à tort ou à raison de persécution ou de ci ou de ça. Maintenant, quand on prend le troisième signe, qui est dit Troupin, qui dit « Akaka monowo on innovle », c'est-à-dire que la musique sera... très bien. Nous allons bien danser d'ailleurs. Ah oui, on va bien danser bientôt. on va bien danser. La danse sera très bien. Et il poursuit également en disant à Tim Wissebo beaucoup à Kororo. Et la Tim Wissebo rétrécit à Kororo. C'est-à-dire que toutes les plantes ont porté des fleurs.
Mais beaucoup c'est l'oranger. L'oranger n'a produit que de l'argent. Il dit à Tim, il dit, c'est une plante qu'on appelle tchaké tchaké encore. Et au lieu de donner des fruits, il n'a donné que de l'argent. Ou le Fa dit, il faut qu'on retourne dans les plantes. Les plantes sont susceptibles de produire beaucoup d'argent. Et le Fa spécifie encore clairement que de se lancer davantage dans la production des fruits. Donc de faire beaucoup, de mettre en terre beaucoup de fruitiers. Et surtout, l'oranger. Ah oui. Oui, surtout l'oranger. Ça précise. Et donc, beaucoup c'est l'oranger. Elle a donné beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, l'oranger pourra donner beaucoup et beaucoup d'argent à leurs producteurs. Donc, on a conseillé de s'investir, de retourner non seulement à nos plantes, mais surtout aux fruitiers, de s'investir, que le pays s'investisse davantage dans les fruitiers. Peut-être que le Fala a dit ça aujourd'hui. Peut-être que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, les fruitiers qui seront mis en terre maintenant vont apporter beaucoup plus de valeur à ces producteurs-là en ce temps-là. Le tout est déjà passé. Mais pendant ce temps, c'est en ce moment-là que ça va produire beaucoup d'argent. C'est vrai que d'ici 3 ans, 4 ans, il y aura peut-être des situations où peut-être la sous-région peut être en manque de fruits. Et le Bénin pourra apporter ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que le FAC conseille de commencer à mettre les fruitiers en terre maintenant. Surtout au cours de cette année. Mais il poursuit en disant, l'Ikpe Holi, Mangbe Unpin. L'Ikpe, c'est la jeunesse qui joue le tam-tam, mais ne refuse pas la honte. Où le FA dit par là que des jeunes qui sont promis à des niveaux de responsabilité très élevés vont adopter des comportements qui vont apporter la honte, c'est-à-dire qu'ils vont se plonger dans des turpitudes. Ça va apporter la honte non seulement à l'autorité, mais également à eux-mêmes. Donc le FA dit de ne pas poser des actes qui vont apporter... Ça, c'est un avertissement à ces jeunes. À ces jeunes qui ont des responsabilités élevées. Très bien. Élevées. Ça, c'est au niveau des troupes. Mais le FA dit également que des gens qui ont servi la nation pendant longtemps, certains sont actuellement en réclusion. Le FA dit, il y a des gens parmi eux. Certainement pas tous, mais le FA dit, il y a des gens parmi eux qui ont encore beaucoup à apporter à la nation. Et que c'est-à-dire que le fait qu'on les ait mis en réclusion n'apporte en rien à la nation. Et ce pourquoi ils sont là aussi ne sont pas des choses à considérer. Donc certainement, c'est que c'est des faits anodins qui, peut-être aux yeux des gens, se disent, bon, c'est important, donc il faut. Donc le FAC conseille de les relaxer. De relâcher ceux-là et de leur permettre d'apporter quelque chose. En tout cas, ils ont encore une expertise dont la nation a encore besoin, dont certainement l'autorité a encore besoin pour la modernisation de notre nation. Je vais m'en arrêter là. Par rapport aux divinités, le Sakwata a été identifié à Abomey. Et Minona a été identifié ici à Cotonou. Les Rebesso également étaient à Cotonou ici. Le Sakwata d'Abomey, c'est à côté de moi. C'est à Pouetekwa. C'est à Pouetekwa. Le Sakwata de Pouetekwa. De Pouetekwa. Très bien. Oui, voilà. Oui. Et il y a également le Torosu, Zomandoum, qui a été identifié. Ça, c'est Abomey également. Nous avons aussi le Dan, également, qui a été identifié. Le Dan est à Cotonou. Très bien. Le Dan à Cotonou. Le Legba aussi, ici. Je crois que c'est le Legba de Godomé. Qui a été identifié. Le Rebusso, c'est également à Cotonou ici, quoi, Sokodji, quelque chose comme ça, qui a été identifié. Nous n'avons pas encore pris le temps d'aller vers les près de cette divinité pour nous enquêter davantage sur les informations et sur ce qu'il faut pour faire. Parce qu'on n'a pas encore fait les sacrifices du Fa. Très bien, on va en parler à l'heure. Voilà. Alors, la désignation, c'est-à-dire l'identification de cette divinité, de ces endroits, comment ça se fait? C'est toujours autour de... C'est toujours au cours de la consultation. Qu'on demande. On demande d'abord la localité. D'accord. Si on prend une divinité, dans quelle localité se trouve cette divinité? Et quand on a la localité maintenant, s'il y en a plusieurs, on commence maintenant par identifier une à une jusqu'à obtenir celle qui nous concerne. Très bien. Donc c'est comme ça, c'est possible. On vit au-dessus de tout le monde, d'ailleurs. Très bien. Voilà. Alors, qu'en est-il des sacrifices? Parce que les sacrifices, vous l'avez dit, ce n'est pas encore exécuté. Non, ce n'est pas encore exécuté. Alors, quelle sorte de sacrifice faut-il faire pour chaque divinité qui a été identifiée par le vin? Les sacrifices sont à deux niveaux. Il y a les sacrifices expiatoires. D'accord. Que
nous avons déjà exécuté le jour de la consultation. C'est ça que nous appelons au vivre pour expier tout ce qui est négatif dedans. Et après, les sacrifices propitiatoires sont prévus pour le 19 prochain. Le 19 janvier. Janvier. Et là, chaque aphorisme, chaque allégorie du Fa fait objet d'une. Les sacrifices sont faits de sorte que, si on doit l'interpréter, on parlera de reproduction des faits. Reconstitution des faits. C'est-à-dire que nous reconstituons les faits qui sont émis par le Fa et nous les conjurons. C'est ça qui sera fait le 19 prochain. Et ça va être fait pour le Sapata. Déjà ici d'abord, de l'autre côté, c'est ce sont les offrandes. C'est-à-dire qu'on va apporter des moutons, des poulets, de l'huile, de boissons pour donner à Sapata et le vivifier davantage pour l'orienter vers la production agricole qui doit en principe prendre de l'ampleur. Donc les sacrifices ici seront constitués de koudior, donc tout ce qui est négatif qui doit arriver, on va conjurer ça, à zoni, c'est-à-dire envoyer la maladie, Kondopos, c'est-à-dire que travailler en sorte qu'il y ait plus de concorde, qu'il y ait plus d'harmonie, et permettre également à l'autorité de pouvoir continuer par faire son travail sans entrave. Et également, Minando Torosouban, c'est-à-dire qu'on va faire des offrandes à l'eau douce, et Nando Dangban, et Nazela Libogaro, c'est-à-dire qu'on va faire des offrandes à l'entité aérienne qu'on va déposer au bord d'une très grande voie pour la prospérité pour le pays. Minando Nguyen, c'est-à-dire qu'on va conjurer les situations de honte que la jeunesse risque de s'octroyer négativement. Mais en dehors de ça, Minaï Khoumezan, parce que le frère parlait des troubles, hein, des problèmes gastriques dus forcément à des intoxications. Ça peut être hydrique, comme ça peut être alimentaire. Évidemment, nous, en son temps, on va envoyer le rapport aux autorités de la santé pour qu'ils puissent s'en inspirer pour faire leurs prévisions également et conseiller la population, faire des sensibilisations. Il y a aussi les sacrifices qui vont permettre de conjurer, en tout cas d'atténuer la mortalité infantile, surtout par noyade. Donc il y a également des offrandes qu'on doit faire au niveau de nos cours d'eau, de nos fleuves, de nos lagunes et également de l'océan, pour un temps soit peu apaiser cette énergie, ces énergies-là, pour qu'elles n'aient pas à absorber l'énergie humaine, pour se revitaliser en quelque sorte. Et en dehors de ça, les dissensions au niveau des foyers, mais également les dissensions au niveau des autorités politico-administratives à divers niveaux, qui ont été soulevées par les Taïbés, nous allons prendre des dispositions pour faire ces dissensions-là, pour qu'ensemble, main dans la main, ils puissent collaborer pour le développement de notre nation. Très bien. En dehors de ça, les dissensions au niveau de la famille également, nous allons prendre les dispositions. On ne dit pas que tout va être éradiqué, non, parce que faire le thème ou été, c'est-à-dire que quand vous me jetez à terre, il faut également jeter votre intelligence à côté en même temps. Donc, nous ne disons pas que tout va être parfait au niveau des foyers, mais nous interpellons chacun, chaque membre de foyer, pour dire que nous avons un devoir envers nos enfants et par rapport à nos foyers pour les maintenir en stabilité tout au long de 2020. Mais aussi, ce qu'il faut pour apaiser, également avec tout la Cholo dit, ce qu'il faut pour apaiser les échauffourées qui vont vouloir être mises en branle et tout ça, et les foyers de tension qui vont surgir et tout ça, ce qu'il faut pour apaiser ça, nos vies surtout, et puis maintenant, Dadando, c'est-à-dire qu'il va enterrer la colère, pour que même si cela du moment d'une autre surgit encore, bon, que ça n'est pas les mêmes acuités, comme si rien n'était fait, au fait. Parce que il faut comprendre le principe du fa, va et non va nous. C'est-à-dire que les sacrifices atténuent, mais n'éradiquent pas définitivement. Ah, mais c'est ça, il faudrait que les gens comprennent la différence. Il y a une différence, parce que parfois ils disent, ah, mais ça va, bon, mon calme, c'est-à-dire que vous avez fait les sacrifices, mais pourquoi c'est encore venu? Non, et là, je vais en profiter pour par rapport à l'année dernière, on a fait les sacrifices et tout, mais on a donné des recommandations. Ces recommandations n'ont pas été suivies. Au contraire, ces recommandations, en son temps que j'avais donné, on a estimé que je suis trop proche du pouvoir. C'est pour ça que j'ai donné ces recommandations. Qu'on ne va pas suivre ça. Mais on n'a pas suivi les recommandations, mais on a vu ce qui s'est passé. Parce que faire Temihuni Tiaï, on a fait les sacrifices. Il faut comprendre que les sacrifices n'éradiquent pas les prédictions du Fa.
Il faut le savoir. Il faut le savoir. Les sacrifices n'éradiquent pas les prédictions du phare. Vos et non vos, oui. Ça a tenu. Mais c'est toujours là. Maintenant, si vous adoptez les comportements qu'il faut, ça passe inaperçu. On verra rien. Oui. Mais si vous n'adoptez pas les comportements qu'il faut, oui, vous allez encore amplifier ce qu'on avait atténué. Oui. Et puis ça va ressurgir. Et peut-être ça va prendre encore plus d'ampleur parce qu'on l'a confiné. Et si vous le libérez, ça va s'exploser. Absolument. Donc, il faut forcément comprendre que ce n'est pas parce qu'on a fait le tofa dans sa voix que tout est fini. Mais non, vous devez adopter les comportements pacifiques qu'il faut pour traverser ce qu'il faut. Il y a de même pour ceux qui vont un peu partout pour faire des consultations quand vous personnelles. Quand vous allez faire, vous êtes chez Mbokono, pour faire une consultation personnelle, et que vous donnez les moyens qu'il faut, on vous fait les sacrifices, ne pensez pas que cela vous donne le droit de faire tout ce que vous voulez. Non. C'est ça. Si vous ne respectez pas les consignes du FA, vous ne respectez pas les conseils du FA, mais là, ce que le FA a dit, et on a dit Mbokono que ça va donc faux, c'est pas vrai. Je suis Mbokono. Même nous, les Mbokono, quand on consulte, on respecte les consignes. Mbokono, ça va au foie. Pas parce que Mbokono a fait des sacrifices, donc je peux me permettre de faire tout ce que je veux. Non. Tout ce que le FA dit là, ça va revenir, ça va vous arriver. Vous avez dit que, mais pourtant, il m'a fait les sacrifices et qu'il m'a menti. Le Mbokono ne ment pas. Et donc, pour l'année passée, ça n'a pas été. Les recommandations n'ont pas été. Les comportements n'ont pas été respectés. Et parce que ça n'a pas été respecté, nous avons vu le résultat. Et avant, on voyait le danger venir. Et on a pris la parole pour dire attention, le TOFA a dit ci, a dit ci, a dit ça. Veuillez adopter tel comportement. Mais ils n'ont pas voulu. Et ça c'est à l'endroit de tous les bénévoles. Ça, c'est à l'endroit de tous les bénévoles. Opposant comme vous pensez. Et la population. Et la population, bien sûr. Et j'ai dit à la population, si vous faites ça là, vous allez vous faire tuer pour rien. Parce que le frère parlait d'effusion du sang. Le rapport est là. Lisez, même recommandé qu'on lit, qu'ils lisent le rapport. Mais dis non, c'est parce que tu es pas du pouvoir que tu dis ça. Nous, on va faire ça. Mais ils ont fait. On a vu les résultats. Donc, ne dites pas que les Mbokono ont consulté le FA et ils ont fait les sacrifices. Donc, c'est fini. Ce n'est pas vrai. Si vous n'adoptez pas le comportement qu'il faut, les choses vont revenir. Ça va arriver. Et vous allez dire que les Mbokono ont menti. Ce n'est pas notre souhait. En tout cas, c'est pas pour ça. En tout cas, c'est pour éviter tout ça que nous avons. Qu'on donne le FA. Mais puisque dans le rapport, les dernières parties du rapport sont toujours consacrées aux recommandations. Le FA lui-même dit tonus iseo. Et vous en faites ça. C'est ça. C'est-à-dire que respecter les consignes, c'est même mieux que de faire même les sacrifices. Mais si vous faites des sacrifices, vous pensez que ça vous donne droit à tout, ce n'est pas vrai. D'accord. Même si vous ne faites pas les sacrifices, que vous adoptez le comportement qu'il faut, rien ne va arriver. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Même si on ne fait pas les sacrifices, et que chaque bénévole adopte le comportement qu'il faut, et suive les recommandations, rien ne va arriver. Tout va se passer normalement. Très bien. Les sacrifices, ça permet juste d'atténuer. C'est tout. On peut même ne pas le faire. Ça permet juste d'atténuer, mais ça ne règle pas les problèmes. J'insiste là-dessus. Vous avez insisté là-dessus. Alors, dites-nous, alors, tout ce que vous venez de citer, ça, c'est pour la nation. Oui. Mais les foyers, les familles sont concernées. Oui. Est-ce que, par rapport au Sakwata, à toutes les divinités, là, est-ce qu'il ne faudrait pas demander à chaque famille, chaque collectivité, de faire aussi des sacrifices par rapport à cela? En principe, chaque Béninois devrait le faire. Faire des sacrifices par rapport surtout au thème principal qui est les taïbés. En quoi faisant par exemple? Voir Mbokono. Oui. Plus les sacrifices, si on doit le faire pour la nation, c'est d'une autre manière. D'accord. Si on doit le faire à titre individuel, c'est d'une manière. Ça ne coûte pas grand-chose. Faire d'abord ces sacrifices-là du tofa pour soi-même et pour sa famille. Et après, reprendre la consultation de façon individuelle. Chaque personne doit pouvoir se dire d'où dit n'y en a non. Chaque individu doit pouvoir consulter maintenant sur ça. Et nous recommandons maintenant aux grands dignitaires, aux rois de chaque région, de consulter. Le roi d'Abomey a fait pour Abomey. Il y a certains qui ont commencé par le faire. Oui. Nous encourageons ça. Très bien. Que chaque roi consulte sur son royaume, les enfants, les fils et tout ça, comment faire pour que ceux-là, tout se passe bien pour le coup de l'année et qu'il prospère, pour faire prospérer son royaume à lui. Maintenant, chaque chef de collectivité doit pouvoir le faire aussi. Chaque chef de famille doit pouvoir le faire. Et chaque père de famille doit pouvoir le faire aussi pour sa famille. Même si un jeune n'a pas encore une famille, il doit pouvoir le faire pour lui-même. Donc, on ne dit pas que le tofa est fait et puis c'est fini, non. Le tofa, c'est général.
Maintenant, chaque arrondissement, chaque commune, chaque famille, chaque maison doit pouvoir le faire. Le faire. Alors, les sacrifices à présent, parce que c'est, vous l'avez dit, c'est quand même important. Oui. Dans la géomancie, le FA, il faut en tout cas faire les sacrifices. Mmh. Alors, comment cela se passe, les sacrifices? Les sacrifices, il faudrait le faire. Alors, comment arrivez-vous à le faire ou bien comment prévoyez-vous le faire? D'habitude, pour faire les sacrifices, ça nécessite des moyens. Déjà, l'organisation du TOFA même nécessite beaucoup de moyens. Nous avons depuis peu la chance de bénéficier de financements de certaines bonnes volontés et même de la population qui contribue. Donc, nous attendons leur contribution également pour pouvoir le faire. Et ces bonnes volontés-là qui nous ont accompagnés l'année dernière, par exemple, les autres années, nous attendons toujours, nous avons encore les mains tendues parce que jusque-là, on n'a pas encore reçu leur contribution. Nous espérons qu'ils vont se souvenir du TOFA et apporter leur contribution parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de la population. Et nous avons eu le temps pendant près de 13 ans de démontrer que le TOFA peut apporter. Nous ne disons pas que le TOFA va régler tous les problèmes de tous les Béninois. Mm-hmm. Non. Mais le TOFA peut apporter quelque chose à la construction de la nation. Voilà. Mais est-ce que le nous avons appris que le gouvernement, en tout cas, participe, donne sa part de sa part de contribution pour que cela soit réalisé, les sacrifices du TOFA? C'est vrai que, vous savez, c'est évident, puisque nous avons le secrétaire général du comité TOFA qui est au gouvernement. Donc, s'il... il soutient le TOFA à titre personnel. D'accord. Voilà. Comme toujours d'ailleurs. Comme toujours d'ailleurs, depuis 13 ans. Oui. Donc, ça a toujours continué. Mais le gouvernement, de façon officielle, nous attendons cette année leur contribution. Très bien. Voilà. Et ça ne tardera pas parce qu'il s'agit de l'intérêt de la nation. Il s'agit de l'intérêt de la nation. Il s'agit de les appuyer, de les accompagner pour que tout. Puisqu'il y a quelque chose que, sur laquelle je tiens à insister, pour éclairer les Béninois. Quand ils pensent que le TOFA était politisé, il ne peut en être autrement. Le TOFA est un instrument politique. On ne se voile pas la face. Depuis toujours. Depuis toujours. Ça a toujours été ainsi. Au temps des rois, le bocal du TOFA, quand il est désigné par le roi, mais il déménage et il vient habiter le palais. Très bien. Et tous les jours, quand le roi se lève, et notre camp fait fond à Roswap. C'est-à-dire qu'il consulte sur le roi. Comment la journée va se passer. Et il lui dit, et le roi prend sa disposition. Quelles sont les décisions à prendre? Quelles sont les décisions à prendre? Est-ce qu'il y a telle décision? Oui. Est-ce que c'est bon? Oui. Si ce n'est pas bon, le roi dit non, cette décision-là, ce n'est pas bon. Prends telle décision ou passe à côté. Et même si le roi veut aller à la guerre, le bocal le suit. Hein, et à l'entrée d'une ville qu'on veut conquérir, on consulte d'où dit le bateau-là. Mais il te dit, dans mes toits. Et on consulte là, on fait les sacrifices là. Et on avance. Et on écrase le pays et puis on amène ça au royaume de Dahomey. C'est comme ça se passe. Donc quand les gens disent que le TOFA est politisé, peut-être ils savent pas ce que c'est que le TOFA. Et j'ai toujours expliqué, le TOFA c'est une œuvre politique. C'est un instrument de développement dans les mains des politiques. Et ça a toujours été comme ça pendant 275 ans. Et depuis 13 ans, c'est parce que les 10 premières années du TOFA, le régime, l'ancien régime, nous a ignorés. Très bien. C'est ça le problème. C'est ça. On a tout fait pour leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt, mais la christianisation du régime et la christianisation au sommet de l'État était telle qu'on nous a ignorés pendant les 10 ans. C'était la réalité, ça. Dans ces 3 dernières années, le régime actuel a compris que il faut forcément composer avec le TOFA pour pouvoir mieux comprendre les réalités et anticiper sur les choses. Et là, on dit, on taxe de politique. Parce que pendant les 10 premières années, on nous a taxé d'opposants, puisque les autres nous ont ignorés. Oui. On est resté dans notre coin pendant ces 10 ans. Mais ceux-là nous ont dit, ok, ce que vous faites, nous voulons comprendre. Voilà ce que nous faisons. Et ils ont commencé par en tenir compte. Pas tout. Oui. Mais nous avons les preuves qui tiennent compte des recommandations. C'est-à-dire les recommandations du FA.
Donc, cela nous a rapproché davantage. Oui. Mais la population doit comprendre aujourd'hui là que le TOFA est un instrument politique. Ça ne peut en être autrement. Oui. Parce que le TOFA ne développe pas la nation. Non. Le TOFA ne gère pas la nation. Non. Ceux qui gèrent la nation, c'est ceux-là que le TOFA conseille. Comment voulez-vous qu'on peut conseiller celui qui a les pouvoirs politiques en main, les pouvoirs judiciaires en main, les pouvoirs économiques en main, le pouvoir militaire en main et ne pas être proche de lui? Comment vous voulez combattre quelqu'un et en même temps le conseiller? Quel conseil vous voulez qu'il reçoive de vous? Nous avons intérêt à ce que le gouvernant, oui, surtout le président de la République, oui, suive nos conseils. Mais si on veut qu'il suive nos conseils, pourquoi on va le combattre? Pas du tout. Mais le ça rôle ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Non. Et puis le rôle du TOFA n'est pas de combattre un régime. Non, mais c'est de contrer le régime pour qu'en retour le régime puisse mieux gérer les affaires de la nation. Parce que nous aussi, nous faisons partie de la nation. Bien sûr. Donc il faut que la population comprenne. Mais c'est qu'il y a certains... Mm-hmm. détracteurs du pouvoir qui estiment que le professeur a amené le TOFA dans leurs mains et que le TOFA a été le TOFA ne peut en être autrement. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un alors que vous êtes censé le conseiller. On ne peut pas faire ça. C'est pas possible. D'accord. Donc il faut. C'est pas pour eux. Oui. Même si eux, ce régime l'a pas et qu'un autre régime venait, nous sommes censés conseiller le régime en place. Parce que le TOFA est là pour conseiller ceux qui dirigent le pays et non les combattre. Très bien. Voilà. Merci à vous, professeur David Kofi Azza. Très intéressant. C'est avec toujours une attention particulière que nous vous suivons, que les téléspectateurs vous suivent. Alors, nous venons de parler du FA. Du TOFA. Nous vous savons aussi grand numérologue, l'année 2020, ça porte du chiffre 2020. Oui. Alors, quelle analogie, quel rapprochement y a-t-il entre le FA et l'analogie, l'année de 2020, dont l'addition donne 4, voilà. très bon, d'accord. Donc, il faut aller étape par étape. D'accord. C'est-à-dire que 2020 est divisible en deux. 20 d'un côté et 20 d'un autre côté. Et quand quatre chiffres comme ça sont divisibles en deux, ou tout chiffre qui est divisible par pair, reflète le macrocosme et le microcosme. Donc, reflète le haut et reflète le bas. Reflète l'invisible et reflète le visible. Ça veut dire qu'il y a 20 dans l'invisible, il y a 20 dans le visible. Et quand on prend maintenant chaque 20, il faut le décomposer chiffre par chiffre. Le 2, c'est le chiffre de la femme. D'accord. Le 2, c'est le chiffre de la femme. C'est l'espace contenant qui transforme tout. C'est le vagin, en un mot, en résumé, c'est le vagin de la femme qui est une industrie de transformation. Donc, déjà, le 20 conseille pas seulement au Bénin, mais à toute la nation, de se reconcentrer davantage sur l'industrie de transformation. Soit celles qui sont là sont défaillants ou n'apportent pas toutes les solutions qu'il faut, ou alors sont nuisibles à l'homme. Donc, il faut revoir ça. Mais en même temps, le 2 qui est le chiffre de la femme recommande à l'humanité de se retourner vers l'intelligentsia de la femme, qui consiste à recevoir juste une goutte de liquide et de le transformer, une goutte de liquide, et de transformer ce liquide-là en un être complexe que nous appelons humain. Donc, cette intelligentsia que la femme a aujourd'hui à transmettre la vie à l'humanité, il faut retourner vers cette femme-là. Donc, il faut ramener des femmes à des niveaux de responsabilité très élevés pour pouvoir transformer notre humanité. Sinon, certainement que l'humanité est en train de courir un grand risque si nous sommes à ce niveau aujourd'hui. Donc, il faudra que, pas seulement le Bénin, mais à l'international, qu'on commence par déléguer des niveaux de responsabilité très élevés aux femmes pour leur permettre de transformer. Mais le zéro qui est à côté... C'est le chiffre de la limitation. C'est que tout s'arrête à zéro. Avant et après, tout s'arrête à zéro. Qui est encore le chiffre 9? Qui est le cercle? C'est-à-dire le serpent qui se mord la queue. C'est le principe de l'éternité. Et là encore, cela veut dire que nous sommes en train de renouveler un nouveau cycle, une nouvelle ère. Tant sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Parce que les deux choses se retrouvent de part et d'autre. Et quand on prend le vin lui-même, qui est le chiffre de la conscience et l'expression du pouvoir divin,
Ça veut dire que spirituellement, il faudrait que nos actions soient beaucoup plus inspirées par nos réalités spirituelles. Pas seulement endogènes, parce que tout le monde ne fait pas l'endogénéité, mais donc ceux qui sont dans les réalités kabbalistiques, ceux qui sont peut-être dans les réalités bibliques ou même coraniques, c'est le moment. Mais quand vous observez le vin en lui-même, le deux et la limitation, il faudra aller, cela prouve que la femme est à la limite de tout. C'est qu'il faut que tout s'arrête à la femme. Il faut que tout se limite à la femme. Et partant de là, quand vous explorez toutes les religions, il faudra qu'on retourne à ces fondamentaux-là. Parce que ces fondamentaux se retrouvent au niveau de presque toutes les religions. Quand nous prenons par exemple le Coran, la racine du Coran, c'est la sourate qu'on appelle Yassine, qui est une sourate purement féminine, qui est une sourate de femme. Donc ça veut dire qu'il faut que l'islam ou les musulmans retournent au cœur de la race du Coran. Le cœur du Coran, c'est la sourate, c'est le sourate qui est Yassine. Donc même si c'est une fois par jour, même si c'est une fois par semaine, de réciter cette sourate là. D'accord. Maintenant quand on revient à l'église catholique par exemple, la racine même, parce que souvent beaucoup ne le savent pas et même le clergé même ne l'exprime pas souvent, mais la racine même de l'église catholique, c'est la Vierge Marie. C'est pour ça que quand vous prenez tous les grands édifices qui expriment la suprématie de l'Église, aucun de ces magnifiques, je dirais, aspects de construction n'est jamais dédié ni à Dieu, ni à Jésus, ni aux anges. La quasi-totalité des grands édifices de l'Église est toujours dédiée à Notre-Dame, à la femme. Cela prouve que la femme est au sommet de la considération spirituelle. Toutes les cathédrales, c'est toujours Notre-Dame. Ce n'est jamais dédié à Dieu, ni à Jésus, ni aux anges. Ça veut dire que les catholiques retournent leur prière à la Vierge Marie. Matin, midi, soir, s'il le faut. Et quand nous quittons là, et que nous venons au judaïsme, le cœur de judaïsme, c'est le tétragrammaton qui constitue les quatre lettres hébraïques qui forment le nom de Dieu, Yod, He, Vod, He, qu'on résume en Yehovah. Yehovah, c'est, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a Yod, Aleph, He qui est dedans, c'est une femme. C'est la Séphira numéro 2, qui est la Séphira Hokma. Qui est la Séphira où la transformation et la création a commencé. Parce que Keter, qui est le commencement, est une énergie stérile. Cette énergie stérile a été rendue féconde à partir de la Séphira Hokma. Donc les kabbalistes et les judaïstes retournent leur prière à la Séphira Hokma et à la gigantesque Seigneur qui est Yah, qui se retrouve partout, ou alors chanter Alléluia tous les jours. Alléluia, ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils disent ça sans pouvoir le savoir, qui est l'ange de l'allégresse. Mais Alléluia en hébreu dit, rendons grâce à Yah. C'est ce que ça signifie. Rendons grâce à Yah. Alléluia. Yah, c'est une femme qui est un nom même universel. Que soit chez les Yoruba, on sait ce que ça veut dire. Oui. Chez nous aussi, la divinité, même au Togo, c'est la même chose. J'ai vu ça au Ghana, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire, même au Cameroun, et même chez les Buti, au Gabon, c'est toujours Yah, c'est toujours la femme qui exprime l'énergie féconde. Donc, que toutes ces conceptions philosophiques ou religieuses retournent leurs prières, retournent leurs invocations à la femme au cours de l'année 2020, vous allez voir que beaucoup de choses spirituellement vont commencer par changer. Et là, au regard de toutes ces définitions, donc la femme est au centre de tout en 2020. La et femme donc, sera au centre de tout en 2020. Au début comme à la fin. Et donc, elles ont aussi des conseils. Vous avez certainement des conseils à leur donner. Forcément, parce que vous savez, la seule espèce capable de représenter dignement Dieu sur terre, c'est la femme. Parce que les trois dimensions qu'incarne Dieu, la femme incarne les deux sur trois, mais l'homme n'incarne rien du tout. Ah oui? Oui. La tridimensionnalité de Dieu, quand on parle de la trinité de Dieu, là, dans notre tradition, on dit Nde Maru, l'être dont rien ne surpasse. Maru,
l'être qu'on ne peut pas tuer. Mao, l'être qui s'est fait chair. La femme, c'est la seule espèce qui donne sa chair et qui la reproduit. C'est-à-dire qui donne l'enfant. Quand on dit que Dieu s'est fait chair, la femme aussi s'est fait chair. La femme aussi donne l'enfant. Ok. Et la cette suprématie est telle que la femme, en perpétuant sa lignée, donc en produisant, rend éternel son ADN en quelque sorte. Ce qui fait qu'elle n'est pas morte même si elle décède physiquement. Parce qu'elle devient éternelle. Puisque un enfant porte toujours ses gènes et les perpétue. Marou, parce que spirituellement, rien n'est au-dessus de la femme. Quand nous venons dans la tradition, quand on prend le fa, généralement on parle du signe Djoubé qui est au-dessus de tous les signes. Mais ça, c'est quand nous voulons pratiquer. Mais en réalité, Djoubé est né de Fumeji. Djoubé est né de Fumeji. D'accord. Djoubé est né de Fumeji. Donc, quand on prend le fa, c'est Fumeji qui est en réalité l'essence des 255 autres signes du fa. Quand nous prenons le vaudou, quand vous prenez n'importe quelle branche du vaudou, si je prends le Lissa, qui est considéré comme Dieu le Père, lui-même a été engendré par émanation, par Nana Buluku, qui est la mère de tous les Lissa. Quand nous prenons Sakpata, on a Hozoji, on a Vimandia, on a Pesiotano, on a Glossumetor, on a Dedalangan, Wangan, tout ça là. Mais tous les Sakpata ont été engendrés par émanation, par Nyonko et Ananou, qui est une femme. Quand vous prenez Torosu, tous les Torosu ont été engendrés par une femme, qui est Naya Gemo. Quand vous prenez les dents, tous les dents ont été engendrés par une femme, qui est Aichi Wadou. Mais quand nous quittons même les divinités, le monde des divinités, quand nous rentrons dans le monde céleste, au-dessus de nous, la lune est gouvernée par une femme que nous appelons Zahosu. Le soleil est gouverné par une femme que nous appelons Aheheno. Et l'humanité elle-même, c'est-à-dire notre système solaire, est gouverné par une femme que nous appelons Aheheno. Donc, spirituellement, la femme est au-dessus et au-delà de toute considération spirituelle. Donc, c'est pas que c'est maintenant qu'on va le faire. D'accord. La nature même l'a déjà fait comme ça. Maintenant, okay. Cette année nous permet de nous replonger, de nous reconscientiser davantage et de prendre également conscience du fait que la femme peut nous accompagner à nous élever et à mieux gérer l'humanité désormais, au moins au cours de cette année 2020. Et dans le même temps, elle peut être aussi source. Dans le même temps, évidemment, vous savez, toute énergie, avant qu'elle ne soit énergie, il faut qu'elle soit dotée des deux polarités. Oui, très bien. Justement, donc voilà. Le positif et le négatif. Oui. Donc, la femme, en incarnant la vie, incarne aussi la mort. On ne va pas se voir la face. Le signe, le soul, il le dit, c'est-à-dire que la voie par laquelle on est passé pour venir sur terre, par cette même voie, on peut retourner. Donc la femme est source de vie. Oui. Et toute source de vie est également source de mort. Toute source de vie est aussi source de mort. Et toute source de mort est aussi source de vie. Donc, qu'on le veuille ou non, les femmes ont une grande responsabilité au cours de l'année 2020. On doit les célébrer. Et il faut les célébrer davantage. On doit les chouchouter, il faut les chouchouter davantage. Mais également, il faut leur permettre de ne pas développer l'autre pan de leur pouvoir, qui est le volet négatif. Et vous voulez parler de quel autre pan, ce pan-là? Professeur David Koufiaza, nous n'allons pas très loin. Parce que, elles sont, vous l'avez dit, vous avez insisté là-dessus, elles sont au cœur. De tout. Alors, est-ce qu'il faudra dire que c'est parce que le gouvernement a été inspiré qu'il a commencé par parler de la promotion de la femme? Est-ce que ça rejoint un peu les aspirations, en tout cas les prévisions aujourd'hui? Ça rejoint les prévisions. Vous savez, la nature elle-même inspire. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Oui. Toute autorité bénéficie d'une influence divine.
toute autorité. Toute autorité. Bénéficie d'une influence divine. Même d'abord, même s'il n'y croit pas. Oui. Toute autorité. Donc, si je prends... Et il faut commencer par observer. Oui. Prenez le président de la République en fonction. Observez-le bien. Le lendemain de la fin de son mandat, observez son aura. Il y a une nette différence. L'aura change. Parce que dès que vous vous voterez dans le fauteuil présidentiel, oui, vous incarnez tous les rois qui ont dirigé ce pays. Vous incarnez tous les présidents de la République qui ont dirigé ce pays, mais qui ne vivent plus. Tout cela vous influence. Mais dès lors que vous sortez de la chair, dès lors que vous sortez de ce fauteuil, c'est fini. Et vous influence positivement ou négativement? Non, positivement. Et donc, c'est ce qu'il y a des cérémonies qu'il faut faire pour les atténuer un peu ces vibrations. Non, mais il y a des cérémonies à faire, c'est pour asseoir le pouvoir. Asseoir le pouvoir. D'accord. C'est pour ça que celui qui est en chair, on n'arrive pas à l'atteindre sur le plan spirituel. Donc, protégé par l'égrégore national. Il est protégé par l'égrégore de la nation. Mais quand il sort de la chair, vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Professeur David Kofi Azza, c'est avec plaisir que nous vous avons suivi. Tofa 2020, voilà un peu ce qui en est. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un message fort en tant que grand prêtre du Fa, initiateur, coordonnateur du Tofa. Nous en avons parlé. Votre mot de fin. Je ne donnerai pas de mot de fin parce que je n'aurai jamais de mot de fin. Vous n'aurez jamais. Vous le savez. Très bien. Même de l'autre côté, du fa, je ne connais toujours pas. Toujours. Toujours et toujours, oui, bien sûr. Je suis après que... l'éternité. Oui. Voilà. Oui. Ce que je peux dire pour conclure cet entretien, c'est désorté déjà. La population a beaucoup plus de patience, mais également à être un peu plus regardant dans les faits et gestes de la femme, et également à célébrer la femme au cours de l'année 2020. Peut-être les femmes qui sont encore à la maison, qui n'ont pas de travail ou qui n'ont pas un commerce décent, c'est le moment peut-être de les accompagner avec un 20 000 ou un 50 000 pour commencer par faire quelque chose. Ça va produire. Quand on va mettre la femme au cœur de n'importe quel système économique, ça va produire cette année. Mais en même temps, demander également à la femme de faire preuve de retenue, de ne pas maudire son mari cette année 2020. Et de ne faire que des bénédictions pour cette année 2020. Mais également, je vais demander à nos gouvernants d'abord de soutenir le TOFA pour cette année, matériellement et financièrement, parce que ça y va de leur bien et également... ça permet de les accompagner spirituellement pour qu'ils continuent toujours par moderniser notre nation, mais également de dire à la force alternative, moi je n'aime pas souvent appeler le mot opposition, parce que c'est une insulte, à la force alternative de revoir la politique. Parce que l'objectif qu'ils poursuivent, ou l'objectif que cette force poursuit, c'est d'accompagner le développement de notre nation. On peut accompagner le développement d'une nation, ou on peut conseiller à mieux gérer une nation dans le calme, dans la sérénité, pas dans la violence. Et nous estimons que le Bénin mérite mieux que ce que le théâtre que nous offrons aujourd'hui. Je vais demander à ceux qui ont été aux affaires dans ce pays pour dire, il ne sert à rien de combattre quelqu'un qui est dans la chair. Il ne servira absolument à rien. Parce que ce n'est même pas bon qu'il fléchisse. Parce qu'en fléchissant, il va émietter, il va infantiliser le pouvoir public. Or, le pouvoir doit rester fort. Absolument. On ne peut pas faire profil bas alors qu'on est en chair. Nous disons dans la tradition, ce que la panthère a dit, la panthère a dit. Maintenant, s'il y a quelque chose, ça soit en discute. Il faut discuter en tant que père de famille, en tant que père de la nation. Parce que ce que nous voulons, chaque Béninois veut avoir la paix du cœur. Chaque Béninois veut s'exprimer librement. Chaque Béninois veut manger à sa faim. Chaque Béninois veut dormir tranquillement, se réveiller, aller travailler. C'est de ça que nous avons besoin même en réalité. Maintenant, s'il y a des divergences politiques par rapport à la manière dont le pays est géré aussi et ça, je pense qu'il y a des manières beaucoup plus intelligentes, avec plus de sagesse, qu'on peut utiliser pour se faire entendre et faire entendre raison à qui de droit. Et pour la nation, je souhaite la paix.
la paix du cœur, l'abondance, que tout ce qui est en train d'être entrepris à travers le pays porte leurs fruits. Et que chaque Béninois soit capable de manger à sa faim. Que chaque Béninois soit capable de trouver un travail décent qui valorise l'homme et qui accompagne le développement de notre nation. C'est de ça que nous avons besoin. La paix pour tout le monde, la paix pour chacun de nous, la paix pour notre pays. Je vous remercie. Merci à vous, professeur David Kofi Azza. Je rappelle que vous êtes un grand prêtre du Fa. C'est ce qu'on a dit. Très connu dans le milieu culturel béninois. Président donc du Conseil national des cultes endogènes du Bénin et coordonnateur national du TOFA. C'est avec vous que nous avons parlé du TOFA VEVE. Merci d'être venu. Ce serait un plaisir de, pour nous de vous recevoir sur le plateau de E-Télévision à tout moment, à chaque instant. Et pourquoi pas, ce serait un plaisir de venir de temps en temps analyser, c'est-à-dire faire la suite, puisqu'il faudrait un suivi de, il faut de, un suivi désormais, désormais oui. Du TOFA. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette première partie de l'émission Entretien consacrée au décryptage de l'année 2020. Nous venons donc de parler du TOFA 2020 avec le professeur David Kofi Azza. Juste après donc le professeur David Kofi Azza, vous allez suivre également une autre émission, un entretien qui parlera de l'aspect métaphysique de 2020, le destin du Bénin. L'an 2020, ce serait avec M. Amos Saraimi, métaphysicien plasticien. Merci. Prenez du plaisir à suivre les programmes de E-Télévision, la télé de l'excellence.